Bonjour les beaux joyaux, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette vidéo. Je ne sais pas exactement encore comment je vais intituler peut-être mes meilleurs livres de développement personnel et spirituel. Oui, voilà, je pense que ce sera quelque chose dans ce style-là. Donc bienvenue pour cette vidéo qui m'a été demandée par une abonnée que je remercie parce que je trouve qu'effectivement c'est une chouette vidéo à faire. Moi, ça m'a permis de me replonger dans... Ben dans, pas de me replonger dans ses livres, mais de me dire, ah ouais, t'as quand même parcouru du chemin. Voilà, c'est plutôt dans ce style-là. Donc merci, merci, merci. Et j'espère que cette vidéo, ben, pourra vous aider, vous donner des pistes, vous plaire. Voilà, mais avant de vous présenter ces livres, je voudrais faire une petite introduction justement par rapport à ces livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, parce que pour moi c'est très relié déjà, hein, les livres de développement personnel et de spiritualité, même si c'est pas la même chose, il y a quelque part un croisement qui se fait et où ça se rejoint. Voilà, les deux matières pour moi se rejoignent très fortement. Ça reste que mon avis personnel évidemment. La petite intro, elle se ferait plutôt en deux points, donc ça va aller assez vite, mais si vous n'avez pas envie de l'écouter, c'est pas obligé, et vous pouvez avancer le curseur et aller regarder ce que je vous propose comme livre de développement personnel et spirituel. En premier, je voulais déjà vous préciser que mon chemin de développement personnel et spirituel n'est pas votre chemin. Du coup, les livres que je vais vous présenter ici risquent de ne pas vous parler. Ça risque peut-être de vous donner envie, mais j'ai envie de dire que l'envie n'est pas assez. Il faut que ça vibre. C'est-à-dire que, vous savez, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses comme moi qui présentent des livres, et on trouve ça génial, nous. D'accord? Cependant, c'est parce que ça a vibré. Mais ça se peut qu'à vous, ça ne vous fasse pas cet effet-là. Ça se peut qu'il y ait juste que une ou deux choses dans ces livres qui vous conviennent. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous inquiéter de ne pas avoir aimé un livre de développement pardon, personnel en entier. C'est normal. Il y a des choses qu'on a besoin et donc qu'on va prendre et le reste qu'on va jeter, qu'on va mettre de côté. Donc c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Moi, ça m'est arrivé avec beaucoup de livres et je ne le regrette pas. Il y a juste une ou deux phrases qui m'ont donné des déclics, qui m'ont donné des réponses, qui m'ont donné envie d'agir de telle façon, mais c'est tout. Voilà. Ça peut être frustrant dans le sens où on a quand même acheté le livre, on se dit zut quand même, c'était pas donné, surtout que les livres de développement personnel, des fois ils sont pas donnés. Donc zut, j'ai quand même mis le prix, etc. Pour finir, ben, ça ne m'a aidé que pour ça. Mais c'est pas grave, c'est en prenant que deux petites choses comme ça vous a aidé pour ça. Un autre vous a aidé pour ça. Un autre pour un autre thème, un autre pour une autre situation dans votre vie. Mais c'est comme ça qu'on évolue en fait, et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, je voulais aussi que les choses soient claires par rapport donc à ces présentations de livres qui ça ne vous parlera peut-être pas. Ne vous ruez pas à l'achat des livres que je vais vous présenter. Comme je vous dis, il faut que ça vibre. Si ça vibre, c'est que ça a quelque chose à vous transmettre. Si ça vous donne juste envie, ça peut être des choses à vous transmettre, mais pas spécialement. Et puis, si vous aimez juste ça, ben faites, hein, évidemment, vous faites comme vous voulez. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on vit tous un chemin unique et que donc on a tous des livres différents et que surtout, je voulais vous rappeler que toutes les réponses ne se trouvent pas dans les livres. C'est en vivant et en expérimentant que l'on vit au mieux sa spiritualité et son développement personnel. D'accord? Voilà, ça c'est aussi un point que je voulais préciser. Ensuite, je voulais vous dire aussi que, vous savez, on fait un certain... Il y a un certain engouement par rapport donc à ces livres de développement personnel et sur la spiritualité, alors qu'en fait, vous savez, vous pouvez trouver des réponses dans des romans tout à fait classiques. Alors, je dis romans classiques, c'est des romans de n'importe quel genre, des romans que vous lisez, qui vous emportent, qui sont remplis de magie, de féerie, de thriller, etc. Quand vous lisez un livre, un roman normal, il a des réponses pour vous. Généralement, même très souvent, ça peut être le miroir de ce que vous vivez. Alors pas spécialement par rapport au personnage principal, ça peut être par rapport à un personnage secondaire. Peut-être que vous allez lire une phrase qui va vous dire
Ah ben oui, ça me fait penser à ça dans ma vie à moi. Donc c'est quelque part le reflet en fait de ce que vous pouvez vivre. Pas la totalité, encore une fois, mais certaines choses. Donc ne négligez pas les romans pour des livres de développement personnel et ou spirituel, s'il vous plaît. Prenez en compte qu'il y a aussi des choses que vous allez trouver dans des romans normaux. Voilà, dans ce que vous lisez. Je peux vous assurer que vous allez trouver des réponses à des questionnements dans des romans que vous êtes en train de lire. Donc, s'il vous plaît, ne les négligez pas. C'est une expérience que j'ai vécue plusieurs fois et je peux vous dire que ça apporte vraiment beaucoup. Donc, ne les laissez pas de côté au détriment des livres de développement personnel qui, des fois, ne vous apporteront rien de particulier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va commencer, sauf que je me souviens d'un bouquin que je voulais mettre dedans. Mais il faut que je le retrouve. Ma bibliothèque est en face hein, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois sur ma chaîne. Mais du coup, je ne sais pas où est-ce que j'ai été le mettre. J'espère qu'il n'est pas trop haut. Ah zut, il est où ce livre? Parce que c'est un livre que j'ai bien aimé et que j'ai même adoré, que si j'avais eu ce livre avant, ça m'aurait bien aidé pour faire du travail dans ma vie, du travail de développement personnel. Et ben zut alors, je ne... Ah, peut-être là en bas. Je suis là tout de suite, hein. Vraiment, la bibliothèque est juste en face de moi, donc voilà. D'ailleurs, vous m'entendez encore, n'est-ce pas? Oui, le voilà, le voilà. Ah, oura. J'avais oublié, vous voyez, cette partie-là. De ma bibliothèque, je savais bien que je l'avais mis quelque part, donc ouf! Voilà. Alors, il y a la plupart des livres que j'ai, je les ai en fait ici, et les autres, enfin il y en a deux, un que j'ai prêté et je sais pas à qui je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas racheté, pourtant j'aimerais bien le relire, hein. Et puis un autre que je vous présenterai aussi sur mon téléphone parce que celui-là on me l'a prêté et donc je ne l'ai plus. Voilà. Alors. Je ne peux pas commencer cette série de livres sans vous présenter un magazine, car c'est grâce à ce magazine que j'ai découvert des auteurs, des livres de développement personnel et spirituel. Donc, c'est par là que je dois commencer et c'est là que vous allez trouver des pépites et que moi, c'est dans ce magazine que j'ai appris énormément de choses. Par exemple, pour les haïkus, quand on a sorti, enfin quand ils ont sorti l'oracle des haïkus, peut-être que beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas fréquemment, hein, on n'entend pas spécialement souvent ça, sauf si on est très intéressé par les cultures asiatiques. Mais moi, je savais ce que c'était. Parce que justement, j'ai appris ça dans un des articles qui était paru dans ce magazine. Et ce magazine m'a appris beaucoup de choses. Je vous le présente et évidemment, c'est le Happiness. Alors là, c'est le numéro 3. Je l'ai depuis le numéro 1, sauf qu'à un moment, je me suis arrêtée. Et j'avoue qu'il me manque beaucoup. C'est un magazine. Je trouve que c'est une pépite et pour le développement personnel et spirituel, pour le bien-être, pour une bonne alimentation. Il apporte plein de choses. Je peux vous assurer que des fois, rien qu'avec un article, eh ben moi, j'allais déjà assez loin. Dans le développement personnel. Enfin, je trouvais des choses très intéressantes. Voilà, j'y ai rencontré des auteurs dont maintenant je suis fan, comme par exemple Deepak Chopra. Voilà. Donc, et c'est lui, c'est ce magazine qui m'a donné envie de créer ma première page Facebook liée au développement personnel, à la spiritualité, au bien-être, etc. Et voilà, j'allais puiser mes idées dans ce magazine, dans d'autres aussi. Alors j'ai arrêté en fait de lire ce magazine et les autres comme Flow, comme Respire, comme Féminin Bio. J'ai arrêté parce que ça devenait un très gros budget. Et ici en Belgique, c'est pas le prix de la France malheureusement, et c'est vachement plus cher. Donc tous les mois ou tous les 2 mois, j'avais quand même un certain budget avec les magazines et donc je pouvais plus acheter vraiment de livres non plus. Donc j'ai dû faire un choix, les livres ou les magazines. Et je me suis dit tant pis, j'arrête les magazines. J'en ai pas mal de Happiness et il y en a encore certains que je n'ai même pas encore lus. Mais j'ai arrêté de les acheter déjà il y a un bout de temps.
mais j'ai envie de continuer. Je me suis fait la réflexion avant de tourner cette vidéo que ça, il me manque. Ces magazines-là me manquent parce qu'ils m'apportaient beaucoup de réconfort, ils m'apportaient, pardon, beaucoup de réponses et surtout, ils m'emmenaient toujours un peu plus loin. Voilà, et ça me manque. Donc je me dis que j'irai bien en librairie m'acheter celui qui est sorti soit pour le mois de septembre, soit pour le mois, dans le mois de novembre. Donc soit pour le mois de novembre, décembre, je sais pas exactement, ou celui des 2 mois, parce que je pense que c'était par 2 mois. Hein. Ouais, il me manque. Franchement, c'est très complet. Donc comme vous voyez, on parle là de Deepak Chopra, de Satya Oblette, de Paulo Coelho. Et puis on nous parle, voilà, on a à chaque fois une thématique, là c'est suivre son cœur. Ensuite, je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, hein, le pouvoir de la douceur, on va apprendre le langage secret du henné, vivre heureux et longtemps, faites fleurir vos talents, rencontres spirituelles. Et puis on a une petite phrase qui est toujours très très sympathique. Voilà, et puis voilà, on a même, vous voyez, au cœur de la vinothérapie, ce que la vinothérapie pourrait apporter. On avait toujours, et je cornais d'ailleurs beaucoup de pages, hein, comme vous pouvez le voir. Il y avait des phrases qui m'inspiraient, il y avait des auteurs qui m'inspiraient, et c'est comme ça que j'en suis venue à lire. Voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à lire certains livres de développement personnel. Grand nettoyage de printemps, donc. C'est une très belle source. Si vous ne savez pas vous acheter certains livres, n'hésitez pas à prendre ce magazine-là. C'est moins cher et voilà, c'est super. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, ensuite, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À peu près 11 livres que je vais vous présenter. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, hein. N'hésitez pas à prendre une bonne tasse de thé, de café, de tisane, de chocolat chaud, comme vous voulez. Installez-vous parce qu'on va commencer. Alors je ne les présente pas dans l'ordre, mais un livre que j'ai adoré et que je relirai plein de fois, c'est Petit traité de l'abandon d'Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, c'est une bouffée d'oxygène dans mon monde. Vous pouvez le voir, c'est très très fin à lire, c'est aux éditions Point. C'est un livre donc pour vous en France qui coûte 6,50 €. Moi j'ai dû payer sûrement un peu plus cher. Et en fait ici ce sont des paragraphes. Alors donc effectivement vous avez bien compris que Petit traité de l'abandon, pensée pour accueillir la vie telle qu'elle se propose en fait. Et donc on est dans le lâcher prise hein, principalement ici. Et il explique ça tellement bien. Quand je lis ça, j'arrête de me prendre la tête quand je lis ce livre. Je vais vous lire les quatrièmes de couverture parce que pour moi, vous en parler, vous faire un résumé, il y a des livres, ça fait bien trop longtemps que je les ai lus, donc je pourrais pas faire ça. Donc c'est, je vais vous lire la quatrième de couverture pour voir, bah voilà, vous, ce que ça peut vous inspirer. Être vrai, oser l'abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans l'existence où jamais nous ne pouvons nous installer. Pour demeurer fidèle à soi, pour vivre une authentique simplicité du cœur, tout un art est requis. Comment s'abandonner à la vie sans baisser les bras? Comment goûter la joie sans nier le tragique de l'existence? Comment traverser le découragement sans devenir amer? Ce petit traité de l'abandon tente de dégager un chemin vers la liberté intérieure. J'ai puisé dans la tradition philosophique et celle du zen une invitation à une vie plus simple. Car le bonheur ne procède pas de l'accumulation, mais du dépouillement. C'est la joie qui mène au détachement et non la privation. D'où cet itinéraire vers l'abandon, né de mes joies et de mes blessures. Voilà, donc pour vous dire un petit mot sur Alexandre Jolien. Donc il est né en 1975, il a vécu 17 ans dans une institution pour personnes handicapées physiques. C'est un philosophe et un écrivain. Il a écrit également Le métier d'homme, la construction de soi et Le philosophe nu, et également Éloge de la faiblesse que j'ai dans ma bibliothèque, qui est aussi fin que ça, mais que je n'ai pas encore lu. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, moi j'ai arrêté de lire des livres de développement personnel. Pas totalement, mais j'en lis moins et de temps en temps. Voilà. Donc un petit livre que je ne peux que vous conseiller, il fait vraiment beaucoup de bien. Vous verrez que moi je lisais en fait un petit chapitre. Alors les petits, il y a des plus longs et des plus courts, mais par exemple voilà, ce n'est pas compliqué. On a ça et c'est tout.
Puis on va passer à autre chose, la comparaison. On parlait de la comparaison. Là, on a ça. Et c'est tout. Et donc, je me suis lu comme ça à chaque fois les tout petits paragraphes. Et c'était beaucoup plus facile pour intégrer, en fait. Et mon corps a adoré. Mon corps, mon âme, mon cœur. C'était juste topissime. Alors, un autre livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que je vous ai présenté, vous pouvez trouver la review, la présentation, ce point lecture sur ma chaîne, c'est Petit manuel de navigation pour l'âme de Sabrina Philippe. Si j'avais eu ce livre entre les mains, c'est celui-là que j'ai été que je suis allée chercher, et comme il brille, il est cool. Si je l'avais eu entre les mains plus tôt, ah, j'aurais pu travailler sûrement encore différemment. Mais voilà, après, c'est la vie. J'ai mis du fluo partout. Partout. C'était les éditions donc Flammarion qui avaient envie de que je fasse la présentation de ce livre. Et c'était vraiment, vraiment avec grand plaisir que je l'ai fait. Parce que il y a une mine d'informations pour le développement personnel qui est juste génial. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, il m'a fallu du temps pour le comprendre, des expériences personnelles, professionnelles, intimes, mais la psychanalyse, la psychologie, la philosophie, la théologie, la spiritualité dans son ensemble sont les facettes d'un même diamant. J'approuve à 100% ce qu'elle dit. Psychologue de métier, Sabrina Philippe s'est donnée pour mission principale la recherche de la connaissance de soi et la transmission de son savoir. Elle en propose ici la quintessence. Cet ouvrage est un manuel de développement psycho-spirituel offrant un chemin thérapeutique et initiatique pour aller vers un mieux-être en 25 étapes incontournables et indispensables à toute transformation. S'inspirant de l'univers maritime, l'auteur guide le lecteur sur les flots de la vie. Le navigateur, c'est votre âme, l'essence même de ce que vous êtes, votre embarcation, c'est votre existence. La mer représente le flux de la vie et la plupart du temps, nous dérivons. J'ai toujours considéré le psychologue comme un gardien de phare. Il éclaire la route de celui qui le consulte, lui montre les écueils, l'informe des profondeurs sur lesquelles il navigue. Il lui indique l'horizon, mais en aucun cas il ne conduit son embarcation. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Parce qu'en plus de ça, vous avez à chaque fois des petits exercices à la fin. Voilà. Donc c'est-à-dire que elle donne l'explication. Voilà. Un juste regard sur ma vie. On va déjà apprendre pas mal de choses et c'est écrit très fluidement, très simplement. Voilà. Et puis, il y a déjà quelques questions. Donc ça, voilà. Pourquoi cherchez-vous autre chose que ce que vous vivez actuellement? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant dans votre vie à ce jour? Quelle est cette peine qui se cache au fond de votre cœur? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? C'est très intéressant. Puis là, j'avais mis à chaque fois, moi, exercice, parce que c'est le premier, voilà, il y a des exercices à faire, comme je vous l'ai dit. Et si vous avez envie d'aller plus loin, elle vous invite donc évidemment de vous munir d'un carnet et d'aller un peu plus loin, évidemment. C'est très, très intéressant. C'est super bien fait. Je ne peux que le conseiller aussi. Enfin, je vais dire ça à chaque livre, hein. Alors, un livre que j'avais particulièrement aimé, c'est La sérénité de l'instant de Thich Nhat Hanh. Illuminer le quotidien et vivre le moment présent. Là, c'était plus pour apprendre à vivre le moment présent et vivre la pleine conscience. Voilà, être là, ici et maintenant, pas de pensée dans le passé, pas dans le futur. Ça n'existe pas encore et on se complique la vie à cause de ça. Et c'est un petit livre, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 154 pages. Voilà, ça se lit très très facilement. Et encore une fois, j'ai lu ça par. Vous voyez bien, voilà. Et là, il met faire la vaisselle. C'est très intéressant, je vous assure, c'est très intéressant. Voilà, il dit que pour moi, l'idée selon laquelle faire la vaisselle est une corvée n'est juste que pour celui qui n'est pas en train de la faire. Une fois que vous êtes debout devant l'évier, les manches retroussées et les mains dans l'eau chaude, c'est vraiment très agréable. J'aime prendre le temps de laver chaque assiette, d'être pleinement conscient de chaque plat, de l'eau et du mouvement de mes mains. Je sais que si je me dépêche pour manger mon dessert plus vite, le temps passé à laver la vaisselle sera désagréable et ne vaudra pas la peine d'être vécu. Ben voilà, c'est génial, c'est juste génial. Ce serait dommage car chaque minute, chaque petit bout de vie est un miracle. Les assiettes elles-mêmes et le fait que je suis ici en train de les laver sont un miracle.
Et donc il parle de faire la vaisselle. Mais c'est intéressant d'avoir son point de vue, vraiment. Ça ne dure pas longtemps. Donc faire la vaisselle, ça dure jusque-là. Puis méditer en marchant. Méditer au téléphone. Voilà, il vous explique plusieurs façons de méditer. Puis après, voilà, il nous parle d'espoir, il nous parle de racines de la colère, les formations internes, l'amour vrai, la compréhension, investir dans ses amis. C'est juste génialissime. Ce livre, il est top. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Je pense que juste par facilité d'enregistrement de la vidéo, je vais couper cette vidéo et je vais en faire une deuxième où je vais vous présenter le reste des livres. D'accord? Donc je vous lis quand même la quatrième de couverture. Alors, ce livre commence là où le lecteur se trouve, à la cuisine, au bureau, en voiture, au jardin. Pour Thich Nhat Hanh, maître zen mondialement célèbre, le stress de la vie moderne nous fait perdre le contact avec notre paix intérieure. La sérénité de l'instant nous apprend à faire un usage positif des situations quotidiennes qui nous mettent sous pression. Les exercices proposés nous encouragent à transformer nos émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse, tout en œuvrant pour le bien de l'humanité grâce à la méditation et la pleine conscience. Pragmatique et subtile, la sérénité de l'instant nous invite à une pratique de la conscience du corps et de l'esprit à travers la respiration attentive, source immédiate de joie et de paix. Thich Nhat Hanh est un moine, pardon, zen vietnamien. Son action engagée pour la paix lui a valu pendant la guerre l'exil en France. Il réside au centre bouddhique du village des Pruniers en Dordogne, qu'il a créé en 1982. Il dispense des enseignements à travers le monde. Le miracle de la pleine conscience a été publié aux éditions J'ai lu. Il a fait énormément, il a écrit énormément d'autres bouquins. Il y en a un autre que j'ai toujours pas lu, c'est Toucher la vie, qui m'avait l'air aussi très intéressant. Donc voilà, vous voyez, il y a déjà ici différents types de livres. Là, on est sur la pleine conscience, sur la méditation. Ici, on est sur le développement personnel avec exercice à la clé pour voir où on en est dans la vie actuellement et vers où on va. Avec Alexandre Jolien, on est dans le lâcher prise. Donc voilà, je continue et on se retrouve directement à la deuxième vidéo.